Alors, certaines activités ont des besoins en eau, bien sûr, et font des restitutions en eau également. D'autres, comme celle-ci par exemple, ont un besoin en eau, mais il n'y a aucune restitution d'eau au milieu. Donc, que devient l'eau qui est restituée au milieu? Elle suit tout simplement ces flèches en pointillés en rouge pour aboutir finalement à cette zone encadrée vert, donc intitulé restitution au milieu. Donc nous verrons dans une autre vidéo comment sont gérées les billes d'eau qui viennent s'accumuler à cet endroit.